Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sands of Salzar. On se retrouve avec notre ami le chaman. Alors, je précise que je suis un peu malade, donc j'ai la voix un peu cassée. Je m'excuse d'avance, si jamais ça s'entend. J'espère que pas trop. Il me semble qu'on était à la recherche d'un groupe de brigands. Et également d'une dryade où on allait pouvoir éventuellement. Forest Mirage. Voilà, c'était ça. Forest Mirage in Abracliff. Et qu'on trouve cette zone-là. Et vu qu'on est tombé sur des dryades la dernière fois, c'est peut-être pas si loin. Alors, ici, il y a plein de trucs. Ici, il y a quelqu'un. Alors, il nous dit qu'on ne peut pas avancer parce que c'est la zone de Rabia après. Et on n'a vraiment pas envie de déranger. Il dit même si Rabia est partie, c'est quand même dangereux. Effectivement, on a des groupes un peu badass là. On va se détendre 2 secondes. Oui, ça c'est juste des fermiers. On peut se les faire pour se réchauffer vite fait. Voilà, un petit élixir de force, c'est nickel. J'ai peur qu'on ait complètement perdu la zone qui nous intéressait là. Alors, on devait trouver un mec aussi, mais si c'est lui, ça semble pâté. Non, c'était le Nazir Sultan. Usnu. Il faut qu'on chope. Et Fleur est toujours là. Hein. Ok. Niveau bouffe, ça va. Ah oui, on avait un truc de soin, mais ça nous sert à rien. On pouvait promote eux, mais est-ce qu'on pouvait vraiment? Non, c'est ça, on n'avait pas assez de ressources, on est d'accord. Je clique toujours sur I, c'est absolument pas ça. Donc ça, on avait fait. Ça, c'était pas très grave. Ça, il fallait qu'on trouve le mec. Voilà, c'était Bandit à The Umgrapleaf qu'on faisait. Les bandits à l'est de Fleur. Et on les a pas trouvés encore. Et en même temps, l'est de Fleur, c'est plutôt grand comme zone. Alors pendant qu'on est là, on va rendre la quête avant que je réoublie. Oula. On a trouvé tout le monde est revenu, c'est parfait, on se fait un peu de sous, c'est cadeau. On va essayer de monter sur la colline, voir si on trouve des gens plus intéressants. Ici il y a des bandits. Un Poacher Squadron. Quoi ça ressemble ça? Ils sont 6. Lui, la peine de s'en faire chier. Ok, ça va. C'est pas des paysans, mais pas loin quand même. Hein. Ah non, on les voit pas. Hein. On les voit pas. On va essayer de partir vers le sud de la ville, voir si c'est pas l'est, genre de l'autre côté de la montagne là. Juste vérifier s'il n'y a pas. Non, c'est toujours le mercenaire et capitaine ici. Le trading post, ça fait quoi?
Ah, c'est Janub qui a dû le construire, c'est ça la caravane qu'on a vue. Oui, donc oui, c'est vrai que dans ce jeu, on peut construire des bâtiments, effectivement, quand on a suffisamment de réputation et de sous, bien sûr. Et du coup, j'imagine que ça balance des caravanes comme ça pour commercer un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Party of quête, donc là on est tout seul, donc c'est toujours pas intéressant. On a beaucoup de prestige, hein, mais ça nous sert pas des masses pour les personnages, c'est dommage. Bon, après, je voulais faire cette quête en me disant ils doivent pas être super loin, mais techniquement c'est pas non plus une quête ultra prioritaire, quoi. Puisque contrairement aux autres, elle n'a pas date de fin. Donc on va aller jusqu'au bout de la map à l'est, mais à mon avis, on va pas non plus fouiller la zone sans s'étendre. Voilà, donc là on change de zone. Ah, ici il y a des bandits rouges. Ils ont l'air un peu énervés. Donc rouge vif et c'était des mecs en armure donc. Allez, on va se faire un petit peu de. D'XP. Ça mange pas de pain. Ok, un peu de fer, ça c'est cool. Une potion. Alors du coup, si on peut pas se faire cette quête-là, on avait la dette. Bah Janub, du coup, je me demande si c'est pas lui que je venais de croiser. Merde. Demi-tour. Regardez sa caravane là. Vu qu'ils ont tous des noms qui me paraissent dans mon cerveau fatigué assez proches. Allez, on trace, on ramasse cette fleur. Voilà les residents. Ah putain, si c'était lui, Janub. Faut qu'on le retrouve. Il était reparti par le haut, on va essayer de le choper. Donc ça c'est Cotatown. Il n'y a pas grand chose de notre côté vers le haut donc. On a une cave, c'est une quête ici. Wow, 10 niveaux explorés, party of 5. Non, malheureusement, c'est pas de notre niveau. Alors, vu qu'il allait plein nord, est-ce qu'il serait rentré là-dedans? Ah, il est là, parfait. Viens ici, mec, s'il te plaît. Oula, pourquoi il a un point, lui? Alors, Janub! Merde, c'est pas du tout ça. Ah putain, Janub, c'est celle qui m'a donné la quête. Oh la vache, j'ai du mal, pardon. Ouais, je l'ai dit, j'ai une grosse crève là, je suis pas hyper frais. Autant pour moi. On laisse pas tomber. Donc oui, entre parenthèses, c'est la personne qui nous donne la quête. Donc du coup, on va essayer de faire ça plutôt. Parce que ça, par contre, c'était dans le coin là. Miraton Est Outpost, c'était juste au sud. Donc c'est parti. On crasse. Il faut qu'on recrute plus de personnes par contre, parce que là c'est compliqué. Il faut aussi qu'on achète de la bouffe.
Il faudrait qu'on fasse des quêtes à la con, ce genre-là. Level 8, allez, on fait ça. Alors, on explore et d'un seul coup, on voit un danger qui s'approche. Ils sont 15, ça va. Putain, c'est des... Ok, c'est des... Il en reste plus qu'un, on a perdu quelques troupes quand même, mais ça va. C'était plus violent que prévu. Mais c'est passé, mais il faut que je foute des trucs dans mon inventaire. Alors, on récupère un peu de trésor. Ouais, dans mon inventaire là, il faut que je regarde. Donc, élixir de résilience, ok, pourquoi pas. Du mana, c'est pas trop un problème. On va prendre la petite potion de soin. Oh, un truc d'XP, ça c'est cool ça. On va le donner. Tout le monde est level 8, sauf eux. On va monter eux. Alors ça c'est un peu de nourriture. Est-ce qu'on a... Je crois, pense pas qu'on ait besoin de ça. Là on pourrait... Ah je peux choisir de... Level 1, 7. Bah, ça c'est pourtant c'est level 3. C'est 21 sur 50. Ah faut peut-être qu'il soit dans l'inventaire. Je peux pas l'enlever. Si je peux l'enlever. Ok, il faut que ça soit dans l'inventaire. Donc on va réparer notre épée. Et probablement ce truc là aussi. Encore que on a celle-là qui est plein de. Qui est en pleine capacité. On va la prendre. C'est quoi ça? Pollen d'hallucination. Ça confuse les ennemis, ça peut être pas mal ça. Ça on va le mettre derrière, ça on va le mettre là. Binding Stroll. Ça peut... ça empêche les ennemis de bouger. Cool. Ah, on a quelques objets sympas quand même. Alors ça, ça m'a l'air mieux, mais ça donne pas de... Ça donne pas de physical defense. Je sais pas ce qui est mieux en fait, la physical defense ou la vie. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment un moyen de savoir. Physical défense, on a 13, mais... C'est défense contre les attaques physiques, alors que la vie, c'est contre tout. Hein, donc l'un dans l'autre, je pense que se défendre contre les attaques globales, doit être... ça doit être mieux. Allez, on va prendre ces trucs-là. Ici, eux, on peut toujours pas les promote de toute façon. Non, ça coûte toujours trop cher. Donc on a dit, on descend au sud et on se fait des trucs sur le chemin si on peut. Genre là, il y a un truc. Des bandits. Régiment niveau 9. Peut-être une petite sauvegarde automatique, on va tester. On est peut-être capable. Alors on sort nos armes et on les attaque comme des sacs. Ah d'accord, carrément les mecs à cheval quoi. Taper dessus quoi.
Je vais pas leur bloquer, voler un peu de vie, non? C'est pas possible. Oh la vache, ils m'ont one shot quoi. C'est pas facile hein. J'étais pas censé pouvoir revenir au bout d'un certain temps? Non, peut-être pas dans toutes les missions. contre 14, mon équipe se démerde quand même hein. Un peu de mal mais enfin qu'ils se focus sur ceux qui sont quasiment morts si c'était possible. Ouais, on va la gagner celle-là. Il reste plus que quelques mecs qui résistent à droite à gauche. Alors je sais pas pourquoi certains combats on revient et certains non. Il doit y avoir une il doit y avoir un truc. Ah, on peut donner des ordres aussi comme ça, tiens, intéressant. Ok, bah du coup on gagne 846 d'XP chacun et un petit peu de nourriture. Très bien. Et on a récupéré plein de loot. Parfait. Du coup, on a gagné un niveau. Ça c'est nickel. On va pouvoir améliorer Slam, le cri de rage du chaman. Pourquoi pas Dragon Blood. Il faut trouver la force du dragon dans la campagne pour pouvoir désactiver ce truc là. Oh, c'est pas mal ça. On va améliorer ce truc là parce que j'utilise quand même beaucoup. Non, je l'avais déjà pris, zut. Bah j'ai tout pris là. Bah non, bah du coup on va prendre le cri de rage du chaman. Qui va nous permettre d'invoquer un canis. Probablement un chien, un genre de chien. Alors ici, on peut améliorer nos héros en warrior. J'aime assez cette idée. Ah, on pourrait les repromote direct dans la foulée. D'accord. Ah ouais, level 8, level 10, d'accord. C'est qu'on pourrait faire depuis un moment en fait. Mais du coup, on a déjà, on commence à être un peu en dèche. Eux, pareil, il va falloir qu'on les passe au level 10 pour qu'ils gagnent la frénésie là. Et je voulais monter les héros avant. Allez, on continue de descendre. Il nous faudrait un apport peut-être un peu plus constant en ressources. Est-ce qu'on peut faire un truc ici? Alors là, on a des maraudeurs timides. D'accord. On attaque. Ils sont en flip visiblement. Ah ok, parfait, c'est une zone de défense. Alors du coup comment ça fonctionnait déjà? Toc. Toi tu défends. Toi tu vas me suivre. Toi tu vas me suivre. Toi tu défends et toi tu me suis. On est ici et ils sont là. Allez c'est parti les gars. À l'assaut, on va les choper. On va pas les choper parce qu'ils sont partis, on va choper. Waouh. Ah d'accord. Et on a du lancer de sort de badass là. On a invoqué notre petit canis. Putain, niveau vie c'est la fête par contre. Ok, donc là je vais revenir à la vie dans 5 secondes. Attaque ? Qu'est-ce que tu branles ? Ah merci.
Oula, il est un peu bugué le loup là. Alors on va les écraser sous notre poids. Ouais, je peux pas taper en fait. Et là, il est coincé là. Je peux quand même lancer mes attaques, ça va. Ok, y a pas d'animation, mais ça attaque en fait. Allez, faut essayer d'aller faire tomber un peu le truc là. On va invoquer un petit machin. Voilà, comme ça ils sont coincés, ils vont pas faire chier. Ah, ici on a un bandit leader. Ouf, petite ressuscitation là de l'enfer. C'est marrant, j'ai l'impression qu'en étant. Qu'en étant mort en tant que loup, du coup. Je reste loup en fait. Allez, faut prendre cette base. Rejoignez-moi les gars. Ils sont un petit peu dispersés, on va dire. C'est pas grave, on va gérer. Ouf. Très bien. Je suis tout seul. Ça va, on fait quand même bien mal. On va rester ici pour tenir la zone, même si l'autre con nous tire dessus. Invoquer notre petit canis pour nous aider. Ah putain, mais il y a quelqu'un là. Ah, il y a quelqu'un là. Bam, comme t'as volé. C'est pour ça que ça n'avançait pas. Bon, globalement, c'est les nôtres qui font le taf. Hein. Les ennemis sont bien en galère. Ah bah ils ont même pris le truc sans moi. Comme ça au moins. Pas de stress. Ok, j'imagine que je vais devoir travailler sur mes capacités de combat. Et on a une mère anxieuse. Attendez, attendez. Mon fils, êtes-vous ok? Mais maman, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh, hey, ce ne sont pas des voleurs de carrière, juste un groupe d'enfants un peu débiles. Est-ce que vous pouvez les épargner? Alors maman, qu'est-ce que tu veux dire? On est tous grands et on a tous choisi notre propre voie. Mais on n'a jamais volé quoi que ce soit ou blessé des innocents. C'est juste qu'on ne comprend pas le leadership brutal des nazirs et des akals. Umbrella Cliff nous appartient. Très très bien. Sœur, je ne sais pas qui vous emploie, mais s'il vous plaît, ne les emmenez pas. Ils peuvent juste retourner à la maison avec moi, je garantis qu'ils ne feront rien d'autre de stupide. Ça vaut bien une gorgée d'eau. Non, on va les laisser partir, on n'avait pas de quête. On n'est pas si méchant, nous, c'était les ressources qui nous intéressaient. Parfait, de l'Iron Stone, ici un coffre. Il n'y a rien dans les caches qu'on peut prendre, bon. Est-ce qu'on a suffisamment pour promouvoir cela? Non, il nous manque du bois encore. Dommage. Est-ce qu'on va globalement dans la bonne direction? Oui. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Exploration, level 9 pour un régiment, c'est parti. Ah, il y a un autre groupe ici et ils ne sont pas très très... Ah oui. Tu veux pas mourir? Merci. Arrête de courir, putain. Ça va, on est quand même au niveau. Quand j'ai vu qu'ils étaient 40, j'ai un peu flippé, mais finalement ça va.
Bon, tu me sens casse les couilles à courir partout là. Propre. On leur a fait bien mal. Mine de rien, même si on n'est pas hyper nombreux, on commence à faire mal. On a eu un outil de forge ultime. Bah c'est parfait. On va se faire ce petit groupe de bandits. Qui a eu un point d'exclamation mais qui visiblement n'a pas été beaucoup plus loin. De les envoyer en l'air avec le loup. Voilà, invoquons notre copain le loup. Ah, ils tracent avec leurs chevaux là. Le dernier par là-bas. Parfait. Alors on a une petite hache. Ok. Un parchemin du Joker qui taunte tous les ennemis. Très bien. Merde, je suis coincé dans le mur. Alors, c'est compliqué cette zone. Ici, il y a des bandits avec un peu de coffre derrière. Allez, en avant, on va se les faire. Plaisir de voir qu'on commence à être bien efficace. Ça devrait nous donner l'occasion de recruter un petit peu. Donc nous... Ouais, on va par là-bas. Tiens, on a un talent supplémentaire. Food consumption moins 10%, je prends... Ici on a un vieil homme, qu'est-ce qu'il nous parle? Puisque je peux vous demander une faveur. Alors, j'ai un peu de fleurs à farine, farine ça. Est-ce que vous pouvez m'aider à la délivrer à un ami? Pourquoi pas? Où est-ce qu'il vit? Alors, elle vit dans une petite cave au nord-ouest, ça sent l'arnaque. Ouais, ça sent l'arnaque, hein. Alors. On recrute encore quelques turiennes. Allez, ouais. C'est bien des petites turiennes. C'est le marchand. Alors lui il veut qu'on paye, ouais il y en a besoin d'un permis pour commercer ici, donc il faut qu'on paye 1086 pour pouvoir profiter de ses services, sinon c'est 108 pour une seule fois. Ouais, en gros... Si jamais on devient plus pote, éventuellement ça pourrait être moins cher, mais bon.
Alors, Isa, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a beaucoup d'étrangers dans ce désert. Ok, ça commence bien. Si on veut te recruter, tu n'es pas assez intelligent. Parfait. Est-ce qu'on a quelque chose qu'il pourrait faire? Mukadin. Je sais absolument pas où c'est. Et la princesse Bilon. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Je chasse quelqu'un. La dernière fois que j'ai entendu, il se cachait à Fleur. Pourquoi pas, c'est pas loin. Espérons que c'est pas un truc trop fifou. Non, j'ai cliqué sur quest. Capture. Il faut qu'on capture un fugitif à Fleur. Ok, on sait pas. On sait pas qui c'est particulièrement. Donc c'était près du Myrton Southwest Outpost. Putain, c'est loin encore. Vache. Là-bas, il y avait un truc de quête, j'ai vu. Juste ici. Ah, Forest Mirage, parfait. Ça, c'est la quête avec le cristal, on va le faire. Alors, un cercle magique laissé par des dryades et des arboréens. Party of 4, quand on est level 7. Ok, donc il faut qu'on y aille nous-mêmes par contre. On est tout seul. Alors, il n'y a aucun ennemi dans le premier niveau. Et on peut gagner du coup un bonus. Coup critique, chance de coup critique de 25% et vulnérabilité au critique de 15%. On va prendre Berserker Assaut. Il n'y a rien au niveau 2, au niveau 3, aucun ennemi. On peut récupérer 10% de vie et on peut ouvrir un coffre. Ouvrons le coffre. On récupère des thunes, 13, ok, très bien. Niveau 4, on peut augmenter notre défense de 20 mais diminuer notre mouvement speed de 150. Non, parce que clairement on est déjà suffisamment lent. On peut augmenter, on peut restaurer 20 de vie chaque seconde, mais réduire notre attaque de 30. Oui, on va prendre ça par contre. Et on rentre des dryades, on rencontre des coups des dryades. Aïe. Ok, si on arrive à leur mettre des coups, ça va, mais il faut encore réussir à leur mettre des coups. Ah putain, comment ils esquivent tout. Ok, c'est passé, mais de justesse. Hein. Du coup, on gagne un niveau. Alors, on retrouve 15 de fer et une bombe à poison. Parfait. Je me demande si j'aurais pas dû activer. Enfin, foutre mon truc, je sais pas. Ah putain, on commence. On regagne pas notre vie, quoi. C'est tendu du string. Aïe aïe aïe. Est-ce que je devrais prendre le cristal dans mon inventaire? Peut-être. Arcane cristal. Non pourtant. Non, il doit certainement falloir que je descende dans le Forest Mirage jusqu'à pouvoir l'activer du coup. Du coup, c'est un peu tendu. J'avais fait une sauvegarde rapide. Comment on... Non? Je sais plus. Il me semblait que j'avais fait une sauvegarde rapide, mais comment c'est, comment les touches? Hotkey. Regarde ça en speed.
F6 Quick Load. Et du coup, ça apparaît pas. Ok, non, d'accord, très bien. Je n'ai pas dû faire de sauvegarde rapide, pas de problème. Du coup, on va arrêter là l'épisode de toute façon, parce qu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.